Bonjour, bonjour les amis, c'est Gigal. Et là, c'est la première fois que je suis à YouTube Live. D'habitude, je fais des Facebook Live. Et je vous expliquerai pourquoi. Et j'attends le monde. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais voir si le micro est bien installé. Alors, est-ce que le micro est suffisant? Je ne sais pas. Bonjour, bonjour. je suis en train de m'installer là, on va voir. J'essaie de voir sur ma tablette en même temps pour que je puisse bien voir les commentaires. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, bonjour Willy. Bonjour Knight. Bonjour Sentinelle. Bonsoir. Bonsoir Josie. Bonsoir Martine. Bonsoir Louis. Bonsoir les amis. Je suis très contente que vous soyez là. On est 13 pour l'instant. Je vais juste attendre quelques minutes pour démarrer ce live. Bonjour Silexis. Bonjour, oui, Sentinelle. bonjour, Josie. Alors, écoutez, pour ceux qui ne me voient pas, en général, sachez que je suis tout le temps sur Facebook, que je publie tous les jours sur Facebook, mais avec le nouvel algorithme, vous avez peut-être du mal à me voir. En fait, il faut aller sur ma page Antoine Gigal, commenter un truc et après, je viendrai dans votre flow. Dans votre historique et tout ça. Bonjour Johan. Ah, Jacob, bonjour. Bonsoir les amis. On est combien? On est 13. Bonsoir Chiki. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Patrick. Merci Patrick, merci. Je suis là à votre service pour ça, pour enseigner des choses. On va en parler, on va beaucoup parler ce soir de plein de choses passionnantes. Alors, pour l'instant, on est 13. Bonsoir. C'est pas grave, fille Dragon, on est avec toi. Bonsoir, Francine. Bonsoir les amis, bonsoir. Bon, je vais peut-être arrêter un petit peu de dire bonsoir. Je garde le chat d'un œil pour que je puisse vous répondre quand vous aurez des questions sur ce que je dis ou des commentaires. Et est-ce que le son est bon? Je voulais juste savoir si vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que vous m'entendez bien? Top. Bon, c'est très bien. Ah, Johan, oui, envoie-moi ton livre. Écris-moi sur Messenger, je te répondrai. Super, Patrick. Greg. Super, le son va bien, je suis rassurée. Le son est bon. Merci. Alors, on a un modérateur hein, sur le chat. Et en fait, son vrai nom, c'est Dieu. Je rigole pas. Hein. Son vrai nom, c'est Dieu. Donc, si j'appelle Dieu, c'est le modérateur. Bonsoir, Shafika. Bonsoir. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Bon, alors, on est combien? On est toujours 13. C'est marrant. Il faut dire que c'est aussi le départ en vacances aujourd'hui, etc., etc. C'est pas grave, on va faire le direct maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait, énormément de choses. Alors d'abord, je voulais juste vous dire pourquoi. Oui, au-dessus du soleil, au-dessus c'est le soleil. Je voulais vous dire d'abord pourquoi je faisais un YouTube live alors que j'en fais jamais, mais parce que quand je suis en Égypte, la dernière fois que j'ai essayé de faire un YouTube live, il y a 3-4 ans,
il faut installer des codecs et ce n'était pas possible depuis l'Égypte. Et là, maintenant, apparemment, c'est réglé le problème. J'étais encouragée par le modérateur qui me dit, mais si tu peux maintenant. Alors, je le fais, je suis très contente de pouvoir faire un YouTube live et je vais en faire beaucoup désormais parce que jusque-là, je faisais que des Facebook Live. Le problème de Facebook, c'est que c'est une certaine partie des personnes, mais pas forcément tous les gens qui me connaissent. Et puis, la qualité est bien meilleure sur YouTube pour le son, pour l'image, pour plein de choses. Voilà. Alors, une fois que j'ai expliqué tout ça, on va continuer. donc, ceux qui ont vu mon Facebook Live d'hier soir, ça va être un petit peu similaire, mais je vais rajouter des choses. C'est très important, par les temps qui courent aujourd'hui, de pouvoir faire un enseignement, de pouvoir restituer un enseignement. Ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement des anciens Égyptiens. C'est très important de le comprendre. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie à ramasser tout ce que je pouvais comme données, données que j'ai constatées par moi-même sur le terrain, dans les anciens textes que je traduis, dans le terrain lui-même est très important, même quand c'est un champ de ruines, on trouve toujours des confirmations de choses, des choses très, très passionnantes et très intéressantes. Et ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, sur le net, mais c'est un peu comme ça pour tous les domaines, je vois énormément de bêtises écrites avec un ton très affirmatif en plus. C'est vraiment incroyable. Bon. Il faut avoir une vision d'ensemble pour pouvoir expliquer l'Égypte, les monuments, les choses. Même la Grande Pyramide, vous avez des centaines de personnes qui ont leurs théories, etc. Vous avez remarqué que moi, je n'ai jamais mis la mienne encore. Jamais mis la mienne parce que quand je sors quelque chose en écrit, principalement, il faut que tout soit absolument vérifié et référencé. C'est ma marque de fabrique depuis le début. Ceux qui ont lu mes chroniques le savent très bien. Et je signale au passage que les chroniques de Giza vont ressortir en librairie l'année prochaine, en livre. Donc, vous pourrez avoir tous cette base très importante parce que j'ai passé plusieurs années, comme disent les Américains, à débunker tout le plateau de Giza, tout ce qu'on disait sur le plateau de Giza, c'est-à-dire même les universitaires, tout le monde. Et j'ai pu trouver les preuves, les références pour chaque endroit, chaque chose. Et c'est très important parce que quand on sort finalement cette vérité, on voit une image totalement différente et mille fois plus passionnante. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est aussi ça que j'essaye de vous restituer dans les masterclass que je fais en ligne. C'est vous restituer ce qu'il y a de plus vrai, entre guillemets, en tout cas jusqu'à un certain degré, puisque la recherche, elle continue tout le temps, elle continue sans arrêt, heureusement, et puis qu'on déterre énormément de choses. Et cette essence de vérité qu'on peut ressortir quand on étudie un ensemble de données, c'est ce qu'on appelle la culture générale, en fait, en français, hein. C'est il faut avoir une vision d'ensemble, il faut tout connaître, pour que quand on va dans un créneau particulier, on puisse en comprendre l'importance, l'essence. Et aussi, une chose très importante auquel je suis très attachée, c'est toujours pouvoir vous montrer quelle est l'utilité pour vous dans votre vie d'aujourd'hui. Parce que c'est absolument ce qu'ont voulu faire les anciens Égyptiens. C'est vous donner, ils ont consacré toute leur histoire avec des périodes plus ou moins fortes, évidemment, ils ont voulu vous transmettre un héritage et une somme de connaissances et de savoirs très important pour eux que vous sachiez aujourd'hui ce qu'il en est. Parce que si vous suivez mes masterclass, vous allez voir qu'il y a une application très pratique à tout ce qu'ils ont fait, enseigné, montré, et que cette application, elle va même jusque dans la façon de conduire votre destin, d'échapper aux obstacles, c'est extrêmement pratique aussi.
Donc ça, c'est une chose sur laquelle je suis très attachée parce que la théorie, c'est très bien, mais il faut aussi que vous puissiez voir votre propre intérêt dans cette histoire. Et les Égyptiens anciens l'ont fait ainsi, ils l'ont conçu ainsi. Ils voulaient absolument vous transmettre un héritage et pas seulement une somme de données dont on ne peut pas se servir. Là, ce sont des choses dont vous pouvez vous servir. Et ça, que j'ai été recherchée dans chacune de mes masterclass pour vous les restituer. Donc, c'est une somme de connaissances très importante. Je rappelle au passage qu'une seule masterclass me demande 5 mois de travail. Et c'est tous les jours. Moi, je me lève très tôt le matin, je me couche très, très tard le soir et je n'ai pas de week-end. Parce que il faut reprendre tous les éléments, toutes les notes que j'ai prises depuis des années, les rassembler, y mettre des images, des vidéos, choisir, etc., les lettrages, etc., puisque les masterclass, ce sont des packs de 7 ou plus vidéos que vous recevez sur votre propre plateforme. Vous avez une plateforme privée qui est conçue pour vous protéger. Et vous pouvez consulter chacun des modules, chacune des vidéos, toute votre vie, enfin, en tout cas le temps que cette plateforme existe, que j'existe moi aussi. Donc, c'est un endroit où vous pouvez retourner, c'est super important pour pouvoir digérer. Parce que j'ai fait, les gens qui sont ici présents dans ce YouTube Live et qui ont suivi la première masterclass Sermet peuvent vous le dire, c'est du concentré. C'est du concentré passionnant qu'il faut revoir plusieurs fois parce qu'à chaque fois, on trouve d'autres choses. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est passionnant. Donc, c'est un travail vraiment de condenser tout ce savoir sans l'étouffer, sans le rendre ennuyeux, sans se répéter, sans prendre des choses qui n'ont aucun intérêt. Je vous rappelle que quand on remonte dans l'histoire, on est face à beaucoup de problèmes. J'ai évoqué dans une de mes dernières vidéos YouTube, c'est un podcast en fait, mais j'ai mis des images dessus. J'ai évoqué dans un dernier podcast combien c'est difficile de remonter en arrière dans l'histoire et d'essayer de restituer une vérité. Parce que, évidemment, avec le temps, et Dieu sait si s'en est passé du temps, les choses se sont effacées, ont été interprétées de mille et une façons. Et puis ça a été mal recopié, mal traduit. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et en plus, se rajoute le fait que certains ont volontairement caché des éléments ou volontairement omis de parler de certaines choses, comme les Grecs, par exemple, j'en parlais hier dans le Facebook Live, les Grecs anciens, les Grecs qui étaient installés en Égypte sous les Ptolémées, avaient l'habitude de segmenter la connaissance pour en garder le meilleur pour une certaine élite et surtout pas de montrer la totalité à tout le monde. Ce qui fait que, évidemment, pour retrouver la totalité après tous ces siècles, c'est difficile, c'est très long, c'est difficile. Mais on peut y arriver vraiment en s'acharnant sur les choses. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de patience et d'acharnement. Je peux vous dire que je ne lâche pas les choses. Donc, je veux vous donner un exemple que je n'ai pas donné hier pour que vous compreniez bien l'intérêt d'avoir une culture générale par rapport à l'égyptologie. C'est-à-dire que moi, je lis depuis toujours des tonnes de livres, de textes, même de thèses en anglais beaucoup, parce que malheureusement, il y a la langue dans laquelle il y a plus de choses sur l'égyptologie, c'est en anglais. Mais en français, on a aussi des choses très, très bonnes. Et puis, je lis aussi en italien, en espagnol, etc. Évidemment, en égyptien, parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une génération d'égyptologues qui commencent à être vraiment très bonnes. L'égyptologie, je vous le rappelle, c'est très récent comme science. Bon. Et puis, aussi, tout ce qui est alternatif, quand il est de bonne composition, quand c'est de l'alternatif qui est nourri par une véritable recherche sérieuse, il y en a. Il y a des gens comme Hancock, comme Beauval au début, comme... qui ont fait des recherches très sérieuses. D'ailleurs, ils ont
L'un a une formation d'ingénieur, l'autre, etc. Enfin, ce sont des gens, des personnes disciplinées dans leur travail, dans leur recherche. Et ça, c'est très important de l'avoir. Alors, pour vous donner un petit exemple de choses qu'il faut savoir, mais que très peu savent, en fait, par rapport à l'égyptologie, on va prendre, par exemple, le sceau du pharaon Djer. Alors, Djer, c'est un des premiers pharaons de dynastie première, voilà. Et vous avez ce qu'on appelle le sérec, c'est-à-dire le sceau, hein. Vous avez Horus sur une petite sorte de table grillagée, bon. Et en dessous, vous avez un carré. D'abord, vous avez un bras coupé en hiéroglyphe. Alors ça, c'est beaucoup de gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce bras qu'on voit partout sur les murs, gravé absolument partout. Vous trouvez un bras tout seul comme ça qui tient des fois quelque chose. C'est le hiéroglyphe Nart qui veut dire la puissance, le pouvoir, la puissance. Donc vous avez sous Horus, son nom d'Horus en fait, son sceau d'Horus, vous avez le bras Nart de la puissance, le pouvoir. Et puis, vous avez le hiéroglyphe de la ville, de la région, de la cité, enfin, voilà, de l'endroit. Et vous avez un carré. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez un carré avec 3 fois 3 cases. Ça veut dire qu'il y a 9 cases vides, d'accord ? Un carré, comme un carré magique, de 9 cases. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est, vous voyez, si vous passez à côté de ce sceau, ça ne vous dit rien du tout. C'est un carré avec 9 cases. Bon. Mais en fait, ce carré est très important parce qu'il vous indique les 9 Netcharu de base, les 9 dieux. J'aime pas cette traduction, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ce sont les énergies. Donc, on sait qu'à la première dynastie, ils reconnaissaient 9 Netcharu. C'est très important pour la suite. Parce que en ce moment, je fais un travail de vous expliquer chaque Netcharu. J'ai commencé par Sermet, parce que Sermet, comme beaucoup de personnes l'ignorent totalement, ce n'est pas la lionesse vengeresse ou le symbole du féminisme ou je ne sais quoi. Ok, peut-être un peu, mais ce n'est pas du tout ça l'important. L'important, c'est qu'elle gère tout le système physique de notre planète, que ce soit l'énergie géomagnétique, l'énergie qui passe par l'énergie solaire, hein, les tempêtes solaires, tout ça, et son rapport avec Ptah sous la Terre, qui lui régit le magma de la Terre, etc. Tout ça, les anciens Égyptiens l'expliquaient très bien. Et c'est très important de remettre tout dans le contexte général des choses et ne pas s'attacher juste à un texte ou une interprétation très occidentale, moderne, qui en fait n'a aucun intérêt, hein, parce que la lionesse vengeresse, machin, c'est intérêt pour personne. Par contre, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans la masterclass Sermet, avec tous les Netcharu qui correspondent, parce que je ne parle pas que de Sermet, je parle de toute sa famille, de tout le faisceau Sermet qui gère toute la planète, l'atmosphère, la stratosphère, les rapports avec le soleil et ailleurs, etc. Donc, c'est énormément de travail, énormément de choses, et toute l'image devient claire. C'est ça qui est très important, c'est qu'au lieu du patraque dont on a l'habitude, des choses dans tous les sens, là, tout est bien ordonné, vous comprenez, c'est clair. Même si c'est du condensé, que vous ne vous ennuyez pas une seconde, qu'il n'y a pas de répétition, vous pouvez retourner voir ces vidéos. Donc ça, c'est la masterclass Sermet. Je pense que Dieu, il va mettre le lien sur la masterclass. Je regarde juste parce qu'il faut que je continue. Si vous avez d'autres messages. Oui, alors j'ai des questions qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte. Mais ce n'est pas grave, on va répondre après. Non, les Ptolémées, c'est pas exactement des livres pour enfants, mais c'est des livres amputés de beaucoup de choses exprès. Voilà.
Alors, oui, je pense que Dieu, il va remettre le lien de la masterclass Serfmed pour que vous voyez. Et là, je suis en train de travailler sur la suivante qui est sur Anubis et Oop-Wout. Et là, vous avez encore un exemple que ils ont totalement zappé Oop-Wout, hein, les Grecs, c'est-à-dire ils ne nous ont pas voulu nous transmettre tout sur Oop-Wout, alors que Oop-Wout est aussi important que Anubis, si ce n'est plus, en tout cas, il est plus important pour nous quand on est en vie que Anubis. Vous allez voir, c'est extraordinaire tout ce que peut faire cette énergie Oop-Wout pour vous sur Terre. C'est vraiment extraordinaire. Et pourquoi les Grecs l'ont caché? Mais parce que c'est l'énergie de la victoire et ils voulaient pas que leurs ennemis puissent avoir les moyens d'accéder dans leur vie matérielle à certaines victoires. Donc voilà, c'est politique, hein. C'est comme d'habitude, encore aujourd'hui, vous voyez ça, comme certains pays ne veulent pas que vous ayez accès à certaines technologies, donc ils la zappent, ils n'en parlent pas, mais en fait, ils sont très avancés sur certaines choses. Bon, c'est habituel, on va dire, dans l'histoire, malheureusement. C'est très politique, mais ce n'est pas ce qu'ont voulu les anciens Égyptiens. Et c'est pour ça que je fais ce travail, pour essayer de retrouver et vous redonner tout ça, c'est très important. Donc, pour vous dire, la culture générale par rapport à l'Égypte, c'est super important. J'en parlais encore hier par rapport au djed, vous avez ce djed. Mais si vous n'avez pas vu, et c'est pour ça que le travail des universitaires est très important, parce que quand tu découvres quelque chose, dans une tombe première dynastie, par exemple, et que vous voyez cet objet, ça peut vous indiquer énormément de choses à travers les siècles de ces artefacts, par exemple. On a retrouvé dans une tombe première dynastie un djed, mais un djed en quatre morceaux, c'est-à-dire quatre colonnes de différentes tailles, et quand vous les mettez ensemble, ça fait un seul djed. Donc on sait que ça voulait dire les quatre polarité, les quatre directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, parce qu'une fois rassemblés, vous aviez bien les quatre étages qui indiquent ça. Mais comme les anciens Égyptiens sont extrêmement pratiques et pour un seul objet, un seul artefact, vous aviez plusieurs utilisations possibles, ailleurs, on a retrouvé un djed en bois, alors d'une seule. D'un seul morceau, hein, mais toujours avec les quatre, et des yeux, vous avez dû en voir dessiner sur certaines fresques, avec deux yeux au niveau du troisième étage. Et on a découvert, certains docteurs en égyptologie affirment, ça ne vient pas de moi, hein, mais c'est une chose que vous pouvez trouver vous-même quand vous observez des artefacts. C'est pour ça que c'est si important les découvertes universitaires parce qu'ils sont obligés de référencer chaque objet en mettant la matière, la taille, etc., la description. Et comme ça, vous pouvez en déduire énormément de choses. C'est très important ce travail. C'est un travail de fourmi extraordinaire. Eh bien, ces deux yeux qui sont sur ce djed, il semble que ça servait comme un instrument de mesure, de topographie, comme les ingénieurs aujourd'hui sur le terrain quand ils veulent construire un édifice, ils regardent avec ils mesurent le plat du terrain. C'est un instrument de niveau pour niveler le terrain, etc. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui demandent à ce que vous ayez plusieurs cordes à votre arc, que vous ayez une culture, vous ayez en tout cas une curiosité très importante. Voilà. Et ça a été mon travail, et c'est toujours mon travail pendant des années. Donc, moi, j'ai rassemblé tous les éléments, que ce soit des éléments d'ingénieur, que ce soit des éléments de physique, que ce soit des éléments, pour vous redonner, vous restituer le mieux possible la signification des choses et pas des choses, comment dire, inventées ou complètement hurluberlues, parce que, hélas, il y en a beaucoup. Et alors, je vais regarder qu'est-ce que vous avez mis. Yes, Hussein, I am very sorry. It's not in English today. It will be in English another day. Je viens d'expliquer que ce n'est pas en anglais aujourd'hui.
Bonsoir Jean, bonsoir Karine. Oui, alors tu vois Karine, quand tu dis Thoth, c'est le grand architecte des pyramides. Lequel de Thoth, tu vois? C'est-à-dire que c'est des phrases, je sais que toi tu te comprends quand tu dis ça, mais c'est des phrases toutes faites. Quel Thoth? Il y en a eu plusieurs. Et pourquoi? Et comment? Et toutes les pyramides? Non, pas toutes. Etc. etc. Donc il y a énormément de données. Il faut éviter les généralités parce que c'est vraiment, comment dire, ça enlève beaucoup de connaissances, de richesses à leur savoir. C'est vraiment très important, très très important. Alors, de toute façon, je ferai une masterclass sur Thoth aussi, comme ça, vous verrez les différences entre chacun. Alors, oui, alors, ne mélangeons pas hein, les Sumériens, Mardukra, hein, parce que, excusez-moi, alors, les Sumériens, je reviens deux secondes à ce que je disais au début, par rapport au, parce que je n'ai pas terminé, en fait, par rapport au nom du pharaon Djer. Donc, je vous rappelle, avec son Horus sur sa petite grille. Ensuite, vous avez le bras de la puissance, Nert. Ensuite, vous avez le symbole de la cité, de l'endroit, de la ville, de la province. Et puis, vous avez ce fameux carré avec ses 9 cases vides qui correspondent aux 9 Netcheru qui donnaient toute la puissance au pharaon, en fait, aux 9 Netcheru. Qu'il reconnaissait à la première dynastie. Ça, c'est des points très importants. Mais ce que je ne vous ai pas dit, et ça, c'est parce qu'il y a énormément de choses, en fait, à dire, c'est que ce carré, en sumérien ancien, avec les 9 cases, là, s'appelle Iiku. Et que ce n'est pas forcément les Égyptiens qui ont copié sur les Sumériens. C'est peut-être le contraire. Et ça, c'est une chose qui est révolutionnaire pour certains, tellement on écrit sur Sumer un peu tout et n'importe quoi. D'abord, des gens qui ne font pas la différence entre l'ancien sumérien, entre toutes les langues de Sumer. Il y en a 5 au moins, il y en a même 6. C'est vraiment important de comprendre que si vous cherchez une vérité, il faut vraiment avoir affaire, malheureusement, j'allais dire, parce que sinon ce serait trop facile, à des experts en langue et pas à des auteurs de fiction et pas à des auteurs qui font du copier-coller de mauvais livres qui ont déjà paru avant. C'est très, très important. Voilà. Et pour l'archéologie en Égypte, les artefacts qu'on a retrouvés, les hiéroglyphes, nous avons en Égypte des hiéroglyphes aussi anciens que les plus ancienne tablette sumérienne. Donc, il faut arrêter, il faut attendre, il faut surtout étudier tout ce qu'on découvre comme artefact. Et pour vous dire que là, le pharaon Djer, eh ben, il a la même chose, en peut-être plus sophistiqué encore. Donc, voilà, il faut, quand on remonte dans le temps, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions et savoir un maximum de choses. C'est vraiment très important. Alors, je voulais aussi vous parler, mais dans le même ordre d'idées, quand on parle de la Grande Pyramide, de l'intérieur de la Grande Pyramide, vous avez deux couloirs, un ascendant, un descendant, qui se presque se croisent. Enfin, voilà. Personne n'a encore compris pourquoi. Moi, je regarde toutes les théories qu'on sort à droite et à gauche. Les théories de tout ce qui est hydraulique sont beaucoup plus près de la vérité que les autres, hein, parce que réellement, il y a un travail d'hydraulique dans la Grande Pyramide. Et ça, c'est des choses qui vont sortir très bientôt, parce que même les universitaires sont en train de trouver en ce moment beaucoup d'éléments par rapport à tout ça. Donc, ça, je vous tiendrai au courant. Mais ça, c'est beaucoup plus juste. Mais par contre, si vous ne connaissez pas l'optique, la science optique, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper à l'intérieur de la Grande Pyramide, pas seulement la Grande Galerie, où il y a énormément d'éléments d'optique à comprendre, pour bien la comprendre, mais ne serait-ce que ces deux couloirs, si vous connaissez la réfraction, vous comprendriez beaucoup de choses. En pensant qu'il y avait de l'eau,
aussi, etc. Enfin, je ne vais pas aller plus loin là-dedans parce que ça, il faudra que je publie quelque chose. Le jour où je le fais, je peux vous assurer que c'est parce que j'ai vraiment vérifié absolument tout et référencé le tout. Voilà, donc c'est encore une science qu'il faut connaître. L'Égypte n'arrête pas de m'étonner. Moi, je me suis énormément intéressée à tous les systèmes hydrauliques. Pourquoi ? Mais parce que c'est d'une modernité extraordinaire et que j'ai pu voir de mes propres yeux les barrages, les systèmes de dérivation à Fayoum, à 80 km du Caire, à 80 km, on va dire, de la Grande Pyramide, qui fonctionne toujours, et on découvre encore aujourd'hui tous les canaux qui se trouvent sur le plateau de Giza, mais aussi dans toute l'Égypte. Donc, c'est un travail d'aménagement du territoire extraordinaire. D'ailleurs, dans tous les textes anciens, on parle bien de l'Égypte comme le pays quadrillé, quadrillé par les canaux. C'était extraordinaire. Vous aviez l'agriculture absolument partout. Je pense que le désert, bien sûr, il existait, mais il était réduit. Il est revenu par période, évidemment, avec le vent, etc. Mais l'aménagement du territoire des anciens Égyptiens, il fonctionnait avec les éléments naturels. Aucun élément polluant ou même mécanique. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est peut-être la chose la plus impressionnante. Et ça, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Alors, je vais regarder un peu vos questions et vos commentaires. Oui, Johan, c'est en rapport avec ces 9 Netcherou primordiaux. Tout à fait. Tu demandes si les tablettes font référence à ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est, tu sais, là, je réponds à Grégo. On parle du carré de Pégase, tu vois. Le carré 3x3, 9, on en parle comme étant le carré de Pégase par rapport à la constellation de Pégase. Mais alors là, je vous demande de regarder ma vidéo ou mon podcast, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est sur YouTube, sur justement la difficulté de remonter en arrière, où j'explique très bien que les constellations étaient différentes à certaines époques, et donc il ne faut pas se tromper, c'est super important. Et quand vous suivrez ma masterclass Anubis qui devrait sortir, on va dire plutôt fin septembre ou septembre, vous verrez la chose extraordinaire par rapport à Anubis et au Poids Out, par rapport aux constellations. Vous verrez, c'est vraiment une chose qui n'a jamais été dite encore. Et pourtant, il y a des preuves de tout ça. Hein. C'est dans les textes anciens. Voilà. Alors, je continue. Oui, Johan, tout à fait. Bah, je sais. Alors, j'arrive pas à rafraîchir les commentaires. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Il faut sortir des logiques linéaires, là, plates. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? De même, je parlais hier de la transparence dans les temples. Il n'y a pas eu de travail fait là-dessus, c'est hallucinant. Vous savez, les anciens Égyptiens, leur système de miroir est... La réflexion, la réfraction aussi, enfin, ça, c'est un autre sujet, était très important. Et dans les temples, vous avez des murs, vous avez des frises sculptées avec, par exemple, Pharaon en train de porter des offrandes, etc. Et si vous faites tout le tour du mur de la pièce et que vous allez de l'autre côté, c'est des murs épais de 7 ou 8 mètres hein, de large, vous allez trouver la suite de l'histoire, c'est-à-dire le même Pharaon, mais dans l'autre sens, parce que c'est comme un miroir, et avec peut-être la réponse à votre question, ou peut-être j'avais cité Schwaller de Lubitsch, je pense, Lubitsch, parce que c'est le premier qui en a parlé, c'est le seul, à ma connaissance, qui en ait parlé, de cette correspondance d'un mur à l'autre, des frises sur les murs des temples. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire.
Et j'ai parlé de l'exemple où Pharaon, c'est le temple de Karnak, à un endroit, vous avez Pharaon qui porte des offrandes pour je ne sais plus quel nature, et il a des boîtes avec lui, ce sont des boîtes à vêtements typiques des anciens Égyptiens, et elles sont vides. Et de l'autre côté, quand vous faites le tour, vous voyez qu'elles sont pleines, etc., etc., sans compter tous les jeux de lumière, si vous faut aller au lever du soleil dans les temples. Parce qu'au lever du soleil, vous avez tout d'un coup les petits soupiraux en haut qui illuminent certains endroits des fresques et qui, avec les minutes qui passent, passent à un autre dessin et un autre hiéroglyphe et un autre hiéroglyphe. Et ça fait des phrases. Ça indique beaucoup de choses. Vous avez aussi la même chose au soleil couchant. Je ne parle même pas pendant les équinoxes, etc. Là, je parle vraiment tous les jours, le matin à l'aube. Allez vous promener dans les temples, ce n'est pas forcément évident, ils ne sont pas toujours ouverts. Enfin, en général, quand même, ils sont ouverts très tôt, surtout ceux du sud. Donc, je pense que vous pouvez vous promener. Enfin, de toute façon, c'est ceux du sud qui sont les plus élaborés, donc allez les voir. Très tôt le matin, vous allez être... si vous faites attention aux détails, vous allez être extrêmement étonnés. C'est vraiment très, très important. Donc, il y a énormément de connaissances à sortir de tout ça. Il y a un travail, mais énorme. Et comme vous savez, si vous me suivez sur Facebook, tous les jours, ils font des découvertes. Au jour d'aujourd'hui, vu que maintenant l'Égypte est bien organisée et qu'ils ont des jeunes égyptologues qui sont très capables, avec des équipes égyptiennes très capables, à part les quelques équipes étrangères, bien sûr, universitaires qui sont là, je veux dire, les Égyptiens ont mis des centaines et des centaines de personnes sur le travail en Égypte pour faire des fouilles. Ce qui fait que vous avez des découvertes tous les jours ou tous les deux jours. C'est extraordinaire. Allez voir sur mon Facebook, principalement, c'est là où je poste presque tous les jours. J'ai deux pages Facebook, en fait, je pense que Dieu, il va nous mettre ça. Dieu, c'est le modérateur, c'est son vrai nom, hein, je suis désolée. Dieu, es-tu là? Peux-tu nous mettre les liens sur les deux Facebook? Parce que j'en ai un qui s'appelle Antoine Gigal, mais vous savez, c'est limité à 15 000 personnes, les profils, ça fait des années que j'ai plus de 15 000 personnes. Et donc, je mets... le même contenu que sur Antoine Gigal, sur Gigal, la page Gigal. Donc, si vous n'êtes pas sur mon Facebook, allez sur la page Gigal, mettez j'aime, et vous verrez normalement dans votre fil toutes ces news que je mets tout le temps. Alors, oui, il fait moins chaud le matin. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que notre ami fanatique, non pas fanatique, c'est méchant, fan, tout simplement, Johan, il y a Willy, il va s'en aller, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je ne connais pas ou qui n'ont pas l'habitude de me voir? Ça m'intéresse parce que comme c'est la première fois que je fais un YouTube live au lieu de faire un Facebook live, voilà. Donc, je sais que c'est aussi beaucoup les départs en vacances. Alors, bonsoir Martine. Je ne vous connais pas, je suis contente de vous connaître. Voilà. Donc, je résume un petit peu tout ça, parce que je pars dans tous les sens un peu, mais enfin, c'est toujours pour dire la même chose. C'est pour dire que cette connaissance des anciens Égyptiens, cet héritage qu'ils nous lèguent, il nous sert dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce que j'enseigne dans ces masterclass. Donc, vous pouvez prendre la masterclass Sermet qui existe déjà. Et tout l'été, c'est un paiement en trois fois, donc profitez-en. Ce sont des vidéos que vous retrouvez sur une plateforme privée. À vous, et en plus, vous allez faire partie d'un groupe Facebook très sympathique. Il y en a plusieurs qui sont ici, d'ailleurs. Donc, j'ai fait cet enseignement, pas pour vous enseigner des choses classiques. Bien sûr, il y a des choses classiques, évidemment, dans la structure, mais beaucoup de choses que vous ne savez pas, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites.
et toujours référencé, toujours voilà. Donc, et des choses pratiques pour votre vie. Qui vous a dit, par exemple, que Serfmet gérait votre agenda, le temps sur Terre, c'est elle qui le gère. C'est cette énergie qui le gère. Alors, je répète, il ne s'agit pas de Dieu, de déesse, ni d'esprit ou je ne sais quoi. Ce sont des énergies naturelles. Et ces énergies naturelles sont là aussi pour vous aider parce qu'il y a une chose qui est assez affolante, je trouve, surtout en Europe, surtout en France peut-être, c'est qu'on a l'impression que nous, les humains, on est des gens totalement perdus, enfin des espèces d'esclaves. Tout le monde peut jouer avec nous comme des marionnettes, alors que notre humanité, elle est toute puissante si elle en prend conscience. Et surtout, si elle apprend des choses tous les jours. Vous savez, les anciens Égyptiens, ils disaient toujours que la seule chose qu'on emporte quand on meurt, quand on part, eh bien, c'est toute la connaissance qu'on a apprise, c'est toutes les choses qu'on a apprises, toutes les choses importantes, qu'elles soient d'une nature, scientifique, philosophique, etc., ou pratique. C'est très important. Tous les niveaux de connaissance sont importants. Et la chose la plus importante pour vous, c'est les niveaux de connaissance. Et c'est pour ça que il faut pas, être paresseux et se laisser aller avec tous les trucs qu'on nous bombarde entre la télévision, les histoires, les fausses histoires. Il faut acquérir une discipline. Et Dieu sait si c'est difficile aujourd'hui d'en acquérir une. Je pense aux plus jeunes aussi, c'est très très difficile avec tous ces trucs qui nous empêchent. Et puis aussi cette nécessité de gagner sa vie qui devient de plus en plus difficile et qui empêche beaucoup de gens de prendre du temps pour eux, alors que c'est la chose la plus importante. Parce que plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez apprendre des choses, plus vous allez vous libérer du carcan dans lequel vous êtes enfoncé. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire passer dans mes masterclass en vous donnant aussi des choses très pratiques pour vous sortir des situations. Voilà. C'est pas moi, encore une fois, c'est l'enseignement des anciens Égyptiens, c'est vraiment très important. Alors, je regarde un peu les messages. Oui. Merci, Pharaon. Alors, Shafika me pose une question. Elle me demande s'il y a vraiment un avion, un hélico sur les murs. Je pense qu'elle fait référence au temple d'Endera. Alors, je peux vous dire que non. Parce que j'ai déjà écrit là-dessus il y a longtemps, mais c'est vrai que ça fait longtemps. En fait, quand on monte avec une échelle, comme j'ai pu le faire, et qu'on touche le linteau, où il y a ce fameux hélicoptère et avion, on se rend compte que, mais on le voit aussi en photo d'ailleurs très bien, que c'est un morceau de plâtre rajouté. Voilà. Il y avait un morceau en moins et quelqu'un a rajouté un morceau de plâtre. Et il y avait peut-être un hiéroglyphe qui a été, quelqu'un a rajouté une bosse, ce qui fait que ça fait comme un hélicoptère. Mais ça a été reconnu, c'est un Italien qui a fait ce faux il y a des années. Peut-être chercher, mais il faut chercher en anglais Italian Hawks Temple Helicopter, tout ça. Vous allez trouver même son nom. Alors, oui, hélas, il y a beaucoup de distractions qui ne sont pas forcément des vraies distractions. En plus, par les temps qui courent, c'est vraiment. Très triste parce que les gens sont focalisés sur des choses qui n'ont aucune espèce d'importance et qui leur apportent encore plus de vide et encore moins d'éternité. Hein, parce que le but sur Terre, c'est d'essayer de faire le plus de bien possible, ce qui est très difficile aujourd'hui, parce que dès que vous faites le bien, on vous le reproche aussi. C'est de faire le plus de bien possible et de vous-même progresser, c'est très important.
quand on est tous, comme les anciens Égyptiens le disent, et comme l'État, puisque je vois qu'ici, il y a des gens qui connaissent un peu l'État. Si vous ne connaissez pas, allez voir dans mes podcasts et mes vidéos, je parle d'État, ce peuple que j'ai rencontré en Égypte. Comme disent l'État, vraiment, vraiment, c'est très important votre progression personnelle. Parce que quand vous partez d'ici, c'est la seule chose que vous emportez avec vous, c'est ce qui va vous faire progresser. Sinon, vous recommencez sempiternellement la même vie, la même chose, c'est un enfer. Et c'est ça l'enfer, en fait. Et en plus, sur Terre, on a des missions très importantes. Alors, lesquelles? Dans votre famille, déjà, parce que d'après l'État, on est toujours au cœur des problèmes. C'est-à-dire que la famille, ce n'est pas du tout le truc réconfortant dont on nous parle. Ça peut l'être dans de rares cas, mais c'est surtout le nœud des problèmes. Vous avez toujours un problème, soit avec un frère, soit avec une soeur, soit avec un père, soit avec une mère, soit avec tout le monde. Et en fait, c'est là qu'il faut régler les choses. C'est très important et aussi en sortir et aller voir ailleurs. Donc voilà, donc tout ça c'est une école extraordinaire, mais c'est pas fait juste pour ça, la vie sur Terre, elle n'est pas faite pour juste régler vos problèmes anciens ou vos problèmes actuels, elle est faite pour que vous progressiez vous-même dans la connaissance, que vous puissiez redonner cette connaissance à d'autres, c'est très important. Alors, merci Nicely. Merci Jacques. Alors, il y a notre ami Jean du Périgord qui, comme toujours, pose beaucoup de questions. pas forcément. Alors, il me dit à quoi servaient les canaux hydrauliques dans la pyramide? Alors d'abord, il y en a à l'extérieur de la pyramide. Il faut d'abord s'intéresser à l'extérieur pour comprendre l'intérieur. Et ça, ce sera dans quelque chose que j'écrirai. Mais à l'extérieur, il y a des canaux absolument extraordinaires. Mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus. Et des universitaires aussi, seulement des fois, dans ce qui n'est pas universitaire, on ne va pas voir tout ça. Alors qu'il faut voir tout ça, justement. Parce qu'il y a des choses très, très importantes. Mais il y a aussi des choses. Moi, je vais vous dire, il y a une chose qui, chaque fois que je la vois, me stupéfie toujours autant. Il n'y a rien à faire, ça me stupéfie toujours autant. Dans mes chroniques de Giza qui vont reparaître l'année prochaine en livre, j'ai publié des photos de ce que j'appelle un ascenseur hydraulique qui se trouve sur le plateau de Giza, qui avait été trouvé en premier par Guy et Claude Mouni. Il y avait juste une petite photo de loin. Et bon, et moi, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Et ce que j'ai observé de ce, entre guillemets, ascenseur hydraulique est hallucinant parce que vous avez donc le puits. Un ascenseur hydraulique, c'est comme sur les porte-avions, c'est fait pour descendre des poids, des choses, hein, dans les niveaux inférieurs. Et juste à côté de cet endroit en pierre, hein, donc vous avez un puits qui a été comblé, hein, depuis, enfin beaucoup plus bas, il a été comblé parce que c'était trop dangereux. Mais vous avez un puits, vous avez les rayures, les encoignures, je ne sais pas comment dire, où la plateforme pouvait descendre avec le niveau d'eau. C'est-à-dire c'est pour que ça ne tombe pas, c'était vraiment avec des encoignures pour que, voilà, que ça descende la plateforme. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que ça encore, bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le pourtour, et je le montre dans mes photos, dans mes chroniques, et je vais le remontrer dans le livre qui va sortir, vous avez dans le pourtour en pierre de ce puits, vous avez un feuilletage, une couche de goudron solidifié qui descend en même temps que le puits, c'est-à-dire ça suit le tracé du puits en descente, donc une couche de goudron, pour imperméabiliser ce puits. Et ce qui est hallucinant, c'est que la couche qui a été mise à l'intérieur,
elle est de la même superficie, la même épaisseur partout. Et je ne sais pas comment ils ont pu réaliser ça, parce que le goudron, c'est liquide, etc. etc. C'est hallucinant de technologie. Voilà. Et ça, j'ai les grosses photos pour ça. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, l'étanchéité, ils connaissaient très, très bien. Et pas juste une grosse couche de goudron comme on voit dans certaines barques en Irak, c'est-à-dire en Sumer ancien. Ils utilisaient le goudron aussi pour, rendre étanches les petites barques. Mais c'est des grosses couches comme ça de poids. Là, c'est une finesse. C'est millimétré. Incroyable. Voilà. Ça, c'est un exemple de technologie, mais j'en ai plein. Je fais une conférence, d'ailleurs. Je l'ai fait, c'est vrai, je l'ai fait beaucoup en Angleterre, cette conférence sur les technologies sur le plateau de Gizeh qui ont été utilisées. C'est extraordinaire, vraiment. Voilà. Donc, moi-même, je m'étonne tous les jours quand je vois des choses comme ça. Même quand je les vois 20 fois, 30 fois, je suis toujours aussi étonnée. Voilà. Alors. Alors, il y a Bernard qui me met du haut des pyramides, les temples ressemblent à un circuit imprimé d'une carte mère de PC. Ces structures auraient une fonction religieuse, spirituelle. Bon. Alors, Bernard, tu vois. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ta réflexion, ta vision des choses, elle est importante parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, en fait. Tu vois un objet et puis ça t'en rappelle un autre. Ça, c'est grâce à votre curiosité que vous pouvez trouver des choses. Voilà. Simplement, là, dans cet exemple-là, si on prend, par exemple, tous les tombeaux de la vallée des rois, le dessin, tu vois, des couloirs descendants, etc., toutes les chambres mortuaires, etc., on s'aperçoit que ça fait toujours à peu près les mêmes dessins avec des variantes. Et ces dessins, effectivement, peuvent ressembler aussi à des circuits imprimés. Pour les temples, pareil, si tu dessines comme ça, bon, c'est ce que tu dis d'ailleurs. Mais franchement, pour moi, ok, ça ressemble vaguement, mais c'est pas ça. Voilà. Par contre, la forme des temples, oui, elle correspond à quelque chose de très précis. Et ça, je vais l'expliquer parce que c'est très important. Il y a une petite vidéo ou podcast que j'ai fait, vous pouvez trouver sur YouTube, où je parle du cuivre. Allez voir, je ne sais plus comment ça s'appelle ce podcast. Peut-être Dieu, notre modérateur, peut nous la trouver, cette vidéo. Il y a le mot cuivre dedans. Et là... Je donne quelques petits indices, mais en fait, il va falloir que je fasse une masterclass rien que sur les temples pour expliquer pourquoi ils sont construits comme ça et à quoi ça sert, ces formes-là, etc., etc. Et c'est effectivement important et bravo pour ton sens du détail parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est vraiment très important de faire des comparaisons tout le temps, même si ce n'est pas toujours vérifié, ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Alors, notre ami Jean du Périgord recommence. Attends, il y a une question avant de Shafika. Ils avaient la connaissance de l'éclairage. Alors oui, mais pas du tout comme nous. Parce que je vois beaucoup de choses, je ne vais pas dire divagation parce que ce ne serait pas gentil. Mais par exemple, dans le temple d'Endera, il y a les fameux bulbes là, énormes, avec le serpent à l'intérieur. Et on a pensé à des bulbes, des ampoules électriques, etc. Oui, mais quand tu lis les hiéroglyphes, que tu sais les lire, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça. Ça parle de lotus, ça parle de l'énergie terrestre, ça parle de plein de choses. Alors, ce n'est pas forcément loin de ça, mais ça n'est pas l'électricité telle qu'on l'entend. Par contre... Je suis d'accord qu'il y a les piles de Bagdad et tout ça, voilà. Mais les anciens Égyptiens avaient un sens extrêmement fort de l'écologie, j'allais dire. Pour moi, c'est les plus grands écologistes du monde. Ils n'auraient pas été dans une énergie qui peut être blessante
pour les autres énergies. Il faisait extrêmement attention à ce qu'aucune énergie ne blesse l'autre. Il faisait très, par exemple, dans un temple, vous ne deviez pas avoir plus d'eau que de feu, vous ne deviez pas avoir plus, etc., etc. C'est d'une précision incroyable, vraiment d'une précision incroyable. Alors, pour revenir à l'éclairage, ils en avaient et des très sophistiqués, à base beaucoup de miroirs, de prismes, et pas seulement. Mais ça, ce serait dans mes écrits futurs, parce que justement, je suis en train de trouver tout le système. Mais il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus aussi, hein. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres. Mais c'est vrai que c'est une littérature qui est dans d'autres langues que le français et qui est très ancienne. Il faut aller chercher beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour arriver à retrouver. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous demander? Alors, Johan, tu me parles de Monsieur Awas. Je n'en parlerai pas parce que, pour la bonne raison que j'arrête pas de le répéter, mais on dirait que ce n'est pas ta faute, hein, mais on dirait que ça ne rentre pas. Il a été jugé, hein, par un tribunal très important en Égypte, au Caire, qui a fait en sorte qu'il est reconnu coupable de beaucoup de charges. Et donc, il n'est plus ministre depuis très longtemps maintenant, puisque ça fait plus de 4 ans, je crois. Par contre, si vous le voyez sur la scène internationale, c'est parce que les Américains, les Français, les Italiens, les Hollandais l'imposent encore dans des commissions ou des choses. Mais voilà, ce monsieur a été jugé et voilà. Donc, il n'y a rien à dire. C'est encore la méconnaissance des étrangers. Je parle des gens qui l'imposent, ou alors de la politique, hein, parce que voilà, c'est encore des histoires politiques. Alors, pour le tombeau d'Osiris, ça n'est pas le tombeau d'Osiris. Dans mes chroniques de Giza, vous avez 3 chapitres là-dessus où je démonte complètement l'histoire. Ce sont des tombeaux de l'époque tinnite qui n'ont rien à voir avec Osiris. Ça, c'était encore un coup de ce monsieur au grand chapeau pour se faire connaître. Mais ça a été reconnu que c'était absolument pas ça. Bien après, d'ailleurs, mais bien après que j'ai écrit, d'ailleurs, les chapitres où je démonte toute l'histoire. Voilà. Donc, quand vous lirez les chroniques, vous verrez. Alors, les chroniques de Giza, je les ai écrites en 2004, en fait. Elles sont peut-être parues, parce que je ne me rappelle plus, hors série en 2007. Mais en fait, je les ai écrites en 2004, puisqu'elles sont parues tous les 2 mois dans le journal. Et après, on les a rassemblées pour en faire les chroniques. Donc, mes chroniques datent de 2004. Merci. Donc, j'ai laissé de côté l'ami. Où est-ce qu'il est, Jean ? L'État peut-il contacter des personnes en particulier autres qu'en toi? Bon, alors d'abord, on va remettre les pendules à l'heure. L'État, je ne les rencontre que 2-3 fois par an et pas sur mon fait. C'est eux qui me trouvent. Voilà. Revoyez les podcasts que j'ai écrits. Ce n'est pas eux qui dirigent mes recherches ou qui me disent « cherche ça » ou « fais ça » ou « fais ça ». Ils ne veulent surtout pas interférer. Ils n'interfèrent d'ailleurs en rien. Simplement, de temps en temps, quand j'ai une question en tête et que je leur pose, ils ont la gentillesse de bien vouloir me répondre, mais c'est rare. voilà. Donc, non, l'État, ils ne veulent rencontrer personne, ou alors s'ils le font, ils ne me le disent pas, mais ils tiennent absolument à leur, vie privée. D'ailleurs, je ne sais pas où ils habitent. Ils viennent me rencontrer dans les endroits les plus divers et les plus variés, surtout dans le désert, d'ailleurs. J'ai une petite idée quand même de où ils habitent, mais je n'irai pas les ennuyer pour ne pas m'attirer des foudres certaines. Et voilà, ils sont très peu nombreux et ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de... d'ordinateur, ils n'ont rien de tout ça. Hein, donc, voilà. Et ils contactent ceux qui veulent. Hein.
Voilà, moi je. Mais ils m'ont dit qu'ils voulaient avoir des contacts avec personne. Voilà. Ah, c'est une très bonne question, Martine. Est-ce que le peuple de Ta croit à un retour des connaissances des anciens Égyptiens sur notre planète? Très bonne question. Alors, il faut que je prenne un verre d'eau là. J'ai pris mon. Tu vois, ça, c'est pas au russe, c'est socar. Voilà. Donc, je bois un peu d'eau pour répondre. En fait, il fait extrêmement chaud. Là, j'ai encore un petit ventilo en plus. Donc, pour répondre à ta question, je vais en étonner certains, mais la réponse, elle est positive. Elle est oui. Donc, les amis, courage. Mais cette connaissance des anciens Égyptiens, ce n'est pas seulement la connaissance des anciens Égyptiens, c'est la connaissance de toutes les nations très anciennes. D'accord? Qui un jour, comme je l'ai trouvé, et l'État là m'ont confirmé, parce que c'est la première question que je leur ai posée, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? C'est-à-dire que l'Égypte, comme je l'ai énormément dit et répété, ne s'appelle pas du tout Kemet. Ça, c'est un nom moderne pour désigner la terre de chaque côté du Nil pendant toute l'Égypte, la terre noire et féconde. Hein, mais c'est un terme récent dans l'histoire d'Égypte. Le vrai nom de l'Égypte, c'est Taméri. C'est encore, vous avez le mot Ta qui veut dire terre et Méri qui veut dire énormément de choses. Je l'ai expliqué dans une vidéo aussi sur YouTube. Il faut aller chercher. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein, ça va être compliqué pour moi de me rappeler. Mais en tout cas, Méri, ça veut dire chérie. Donc, c'est la terre chérie, chérie par tous. C'est la terre bien-aimée. C'est Méri, mère, c'est le hiéroglyphe de ce qui creuse la terre, la charrue. Donc, c'est la terre des mesures. Puis, vous avez mère, c'est, je veux dire aussi pyramide, la terre des pyramides, la terre des mesures. Je vous rappelle que l'Égypte était complètement quadrillée par des canaux entièrement. Donc, c'est la terre des mesures, la terre des pyramides, la terre bien-aimée. Et pourquoi bien-aimée? Mais parce que pendant des catastrophes mondiales, plusieurs fois, les nations se sont retrouvées en Égypte. Voilà, c'est la terre d'accueil par excellence. C'est la terre bien-aimée par excellence. Voilà. Alors, oui. C'est la réponse, c'est donc oui. Ils disent que oui, qu'on va retrouver cette connaissance avec d'autres certainement. Voilà, et c'est pour ça aussi que je sens que mon travail, vous savez, mon travail, il m'échappe complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai totalement changé ma vie à cause de ce que je fais. Depuis plus de 25 ans, j'ai mis de côté tout. J'avais un très bon poste, j'ai tout perdu. Je n'ai aucun bien matériel. Je me consacre uniquement à ma recherche. Tout mon argent vient maintenant des masterclass simplement, qui me permettent de manger, de vivre, de bouger. Mon Tipeee aussi, que notre ami Dieu va remettre, permet tout ça aussi. C'est très, très important pour moi de continuer ce travail. Je me sens poussée. C'est comme un destin qui m'est tombé dessus. Mais. Je l'apprends, je le suis et je sais que c'est utile. Alors évidemment, comme toute personne dans son destin, je n'en vois pas le bout. Mais je suis persuadée que c'est le bon choix que j'ai fait et j'en suis très heureuse et je vous remercie à tous d'ailleurs de votre écoute, de votre répondant et le fait que vous regardiez mes vidéos, que vous regardiez mon... tout ce que je publie sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur etc., etc., etc. Aujourd'hui, grâce aux moyens qu'on a sur le net, on peut faire passer beaucoup de choses. Malheureusement, c'est toujours le négatif qui sort davantage, mais c'est pas grave. On s'accroche et on continue. Alors, merci. Vous avez Dieu, hein, donc notre modérateur qui met tous les liens des articles sur l'État.
vidéos, etc. Titi, tu dis que tu as du courage, j'aimerais avoir ton courage pour tout quitter. Il ne s'agit pas de tout quitter d'un coup, tu vois, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que bah, je ne supportais plus mon travail de toute façon il y a très longtemps. J'étais un très grand poste, mais je voyais les magouilles et tout ça. Donc, j'ai pu supporter. Donc, j'ai quitté ça. Mais en me disant que j'allais retrouver peut-être un peu la même chose, mais en moins pire, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis, de là, j'ai continué mon travail en Égypte. Ça a vite pris le dessus, hein. C'est une passion de toute façon. Voilà. Donc il faut être heureux dans ce qu'on fait, c'est très important. Merci Martine. Merci Titi. Oui, ta mairie. Ta mairie. Ta mairie. Alors, alors, il y a Silexus, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, ton nom. Que représente la croix de ancre que l'on voit partout? Elle m'interpelle sans savoir pourquoi. Alors ça, je l'explique dans ma masterclass Sarmat. Je suis désolée, mais ça prend tellement de temps. Il faut des images aussi pour vous expliquer. Donc voilà, c'est dans ma masterclass Sarmat, parce que ça, avec Sarmat, vous avez... Je vous explique Ptah, je vous explique Nefertum, je vous explique les lions rôtis, je vous explique l'horizon, je vous explique plein de choses, et dont l'encre, voilà, très important. Alors oui. Je prépare en fait, bon, j'ai fait beaucoup de voyages dans le passé avec des groupes. Simplement, c'est un peu épuisant comme truc, mais je vais en faire un l'année prochaine. Je pense pour le mois de juin prochain, juin, juillet. N'ayez pas peur pour la chaleur, il fait la même température maintenant. Tout est déglingué dans le monde entier. Donc en Égypte, on a la même température en novembre qu'en juillet. Hein. Donc je veux dire, vous affolez pas, surtout que là-bas, il y a énormément d'oxygène. Alors, il ne faut pas rester dans la capitale, hein, bien sûr, où il fait très chaud et c'est très pollué, mais nous, on n'ira pas, pratiquement pas. Donc, je vais organiser un voyage pour juin, juillet. On va faire tout le plateau de Gizeh, mais à ma façon, c'est-à-dire les sites que ne voient pas les touristes. Il y aura aussi les sites, évidemment, que voient les touristes, parce que je pense que si vous venez, c'est aussi pour voir la Grande Pyramide. Mais on va aller à Fayoum, on va aller dans le désert, on va faire plein de choses. Voilà. J'espère pouvoir vous mettre le programme, on va dire en octobre. Voilà. Alors. Oui, il fait frais dans les pyramides. Bon, ben les amis, je ne sais pas l'heure qu'il est. Ah ben il est déjà à 22h09, hein, donc ça fait 1h10 minutes qu'on parle ensemble. Donc, je pense que je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Merci Martine. Prenez bien soin de vous. C'est très important, par les temps qui courent. L'être humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Celui qui n'est plus humain, c'est pas la peine. Vous, c'est important. Tenez bon, vraiment. Nourrissez-vous de choses qui nourrissent vraiment, au propre comme au figuré. Et surtout, restez positif et optimiste, très optimiste. Alors, à très bientôt. Et merci beaucoup à vous. Je remercie notre modérateur Dieu. Et je vous souhaite à tous, s'il y en a qui prennent des vacances, de bonnes vacances. Et pour ceux qui continuent, je leur souhaite vraiment d'apprendre beaucoup de choses, de lire beaucoup de choses, de s'enrichir personnellement beaucoup. Et
Merci les amis, merci Marie-Odile, merci Silexus, merci Johan. Et faites-moi savoir si vous avez aimé ce YouTube Live, faut que je recommence. Et aussi, et aussi dites-moi si, comment dire, à quelle fréquence vous aimeriez qu'il y ait ce YouTube Live. Voilà. À très bientôt. Merci Flora. Merci AFM. Merci, merci. À très bientôt. Merci à vous. Alors.